C'est gentil d'être venu pour cette conférence et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à moi. Donc, je m'appelle Marc-Calvini Lefebvre, je suis enseignant-chercheur dans un laboratoire qui travaille sur le monde anglophone, parce que j'ai fait mon travail de thèse sur le Royaume-Uni. Et il se trouve que ma thèse porte sur la guerre de 14-18. Donc c'est là-dessus que je vais revenir. Vous aurez évidemment compris la référence à Georges Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais pas trop vite. Il avait bien compris, Brassens, que mourir pour des idées, enfin, c'est pour ça qu'on meurt, on meurt pour des idées. Les gens sont prêts à mourir pour des idées, personne ne veut mourir pour rien. On est prêt à partir à la guerre pour quelque chose et personne ne dit jamais « Ah ben non, mais moi je fais la guerre par intérêt ou parce que j'ai une volonté de puissance ». Ça c'est dans les dessins animés pour les enfants que le méchant il dit « Je veux dominer la planète ». Ils disent tous, et vous écoutez les gens qui font la guerre, ils disent tous qu'ils se battent pour des idées nobles. Tout le monde se bat pour des idées nobles, c'est bien le problème. Tout le monde se bat pour la liberté, la justice, la patrie, le bien, etc. Et donc, quel rapport ça avec la question de l'égalité femmes-hommes et la question de la culture de la paix, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, à travers le cas de la guerre de 14, c'est que les idées pour lesquelles on est prêt à mourir sont genrées. Genrées, ça veut dire qu'on leur associe ces idées des vertus, des qualités qu'on présente comme féminines ou masculines. Et la guerre elle-même est une activité qui repose très fortement sur une division genrée, où les individus que nous sommes, de chair et d'os, sont sommés d'agir d'une manière ou d'une autre en fonction de leur sexe, par le contexte que la guerre provoque. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer avec la guerre de 14-18. Donc ce qu'on pourrait appeler une idéologie de genre, idéologie dans ma bouche n'est pas un terme péjoratif, c'est descriptif, c'est-à-dire une manière de penser la manière dont les hommes et les femmes interagissent, comment ils devraient vivre ensemble, quelle est leur place respective. Il y a une idéologie de genre qui est au cœur de la culture de guerre. Et c'est ça que la guerre de 14-18 nous permet de voir très clairement, mais en fait, je vous parle de cette guerre-là parce que j'en sais quelque chose. Mais vous allez, enfin, les parallèles vont vous sauter aux yeux, je pense, pour tous les conflits auxquels vous pouvez penser. Donc, en gros, si je résume de manière schématique cette idéologie du genre autour de la guerre, en gros, en guerre, les personnes de sexe masculin sont vus comme le sujet actif d'un conflit. Une théoricienne américaine parle du guerrier juste. Hein, le guerrier juste, c'est l'idéal masculin en guerre. Et les femmes sont des sujets passifs de la guerre. Elle parle, cette américaine, des belles âmes. Donc l'idéologie de genre basique, c'est ce que vous avez illustré ici. L'homme protège, et il protège qui ? La femme. Et la femme, elle est là pour quoi ? Elle est là pour l'aider, pour le soutenir, et lui, il doit la protéger. Donc, cette idéologie de genre dont je vous parle, on va la voir qui joue dans une guerre à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des justifications. Vous voulez expliquer aux gens qu'il faut aller mourir pour X, Y ou Z. Il va falloir faire sens de la guerre. Il faut faire sens de cette décision très grave. Et on va faire sens, vous allez le voir, en attribuant des qualités genrées à nous et à eux. Nous, nous sommes les guerriers justes. Eux, ce sont les barbares qui brutalisent les belles âmes. Et nous, nous protégeons les belles âmes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la mobilisation. C'est ce que je vous disais à l'instant. Les idées sur le masculin, le féminin, la place des uns, la place des unes, vont être utilisées pour mobiliser la population autour de rôles très clairement définis.
Et là encore, si vous êtes un homme, on va s'attendre à ce que vous serviez le pays dans un rôle de guerrier juste. Et si vous êtes une femme, on va s'attendre à ce que vous aidiez les hommes à accomplir leur mission. Et tout ça, ce sont des pressions sociales, légales, politiques qui vont s'exercer sur les individus qui, évidemment, ne vont pas tous répondre de la même manière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines réponses qu'il faut payer très cher. Et c'est ce que je vais vous montrer. Et enfin, le troisième niveau auquel on va voir le genre jouer, c'est quand il faudra faire sens des transformations sociales que la guerre provoque. C'est-à-dire les sociétés qui subissent une guerre totale n'en sortent pas indemnes. Il y a tout un tas de changements sociaux qui ont lieu, qui bouleversent complètement l'ordre établi. Et pour faire sens de ces changements, on va utiliser à nouveau des idées sur la place légitime des hommes, des femmes et les uns par rapport aux autres. Et à chaque fois, ce sera sur le dos des femmes. Donc prenons chacun de ces points, on va commencer par l'idée que le genre sert à faire sens de la guerre. Donc la guerre, c'est compliqué. C'est compliqué la guerre. Lorsqu'on étudie la guerre de 14-18 à l'école, on a l'impression qu'il y a eu un déroulement assez inéluctable, inévitable. Mais vous savez comme moi que c'est pas comme ça que les contemporains l'ont vu. Donc les contemporains, le 28 juin 1914, il y a un assassinat. Bon. Il y a un truc qui, moi, m'a toujours fasciné, c'est que le type qui assassine l'archiduc, il s'appelle quand même Princip. Principe. Enfin, principe, c'est peut-être pas la traduction du serbo-croate vers le français. Je ne sais pas si Princip, ça veut dire principe. Enfin, moi, je trouve ça drôle, macabre, mais drôle, que le type s'appelle Principe et qui tue. Il tue au nom de quoi? Au nom d'un principe qui est le nationalisme serbe. Donc, il assassine le pauvre archiduc et sa femme. C'est un fait politique important, mais personne ne s'attend à ce que ça déclenche une guerre mondiale. Le problème, c'est qu'un mois plus tard, à peu près, l'Autriche-Hongrie envoie son ultimatum à la Serbie. Alors là, ce dessin illustre bien ce qui se passe, c'est-à-dire que chaque pays commence à menacer l'autre. Donc l'Autriche-Hongrie menace la Serbie, la Russie menace la Autriche-Hongrie, l'Allemagne menace la Russie, les Français menacent les Allemands menacent les Français, puis pof, et c'est parti. Et ça part très très vite, personne ne s'y attendait. Et quand le gouvernement allemand prend la décision d'envahir la Belgique, les Belges ayant refusé l'accès à leur territoire à l'armée allemande, les Allemands le font en étant persuadés que les Britanniques ne bougeront pas. Ils sont persuadés que le Royaume-Uni restera en dehors du conflit, de la même manière qu'il est resté en dehors du conflit en 1870, quand Bismarck a envahi la France. Parce qu'ils connaissent l'histoire du Royaume-Uni et qu'en gros, le Royaume-Uni n'intervient que quand c'est dans son intérêt. Sauf que là où ils se sont plantés, c'est que la Belgique, pour les Britanniques, c'est un territoire qui doit rester neutre pour des raisons justement de leur intérêt à eux. Voilà, bref. Mais c'est évidemment pas ça que les Britanniques vont dire. Les Britanniques vont dire ça veut plus, mais ça va vouloir à nouveau, pardon. Les Britanniques vont dire non, pas du tout. Si on intervient, c'est parce qu'un traité international a été violé. Le traité de Londres de 1870. De 1800, ça remonte à plus loin que ça, pardon. La date n'est pas... Est-ce qu'ils ont la... Oui, 1839. Donc ça, c'est un poster officiel du gouvernement qui montre les signatures des différents chefs d'État en 1839 garantissant l'indépendance, la neutralité de la Belgique. Et tout de suite, on va mobiliser des grands savants, donc des profs de fac, pour justifier de la position britannique du point de vue du droit international. Donc vous avez cette citation: "The war in which England is now engaged with Germany is fundamentally a war between two different principles, that of raison d'État and that of the rule of law." Donc les Britanniques, ces professeurs annoncent que l'Angleterre part en guerre pour défendre le droit contre les Allemands qui, eux, agissent uniquement sur des principes de raison d'État. Et on a même inventé un slogan à l'époque qui est très efficace, hein, « Right versus might », le droit contre la force.
Le problème, c'est que ça, c'est bien, et tout le monde comprend en quoi c'est pas bien que la force s'impose. Mais bon, c'est quand même pas... C'est plus dur de se mobiliser, c'est quand même des abstractions. C'est dur de franchir le pas. Donc, pour convaincre les populations, il va falloir aller un peu plus loin. Il va falloir incarner ce discours sur le droit, la force. Et comment est-ce qu'on va l'incarner ? On va l'incarner en parlant des violences que l'armée allemande commet contre les civils, mais plus spécifiquement contre les femmes. Et donc vous avez une campagne qui se lance, qui va parler du viol de la Belgique, et c'est bien le mot qui est utilisé, « the rape of Belgium ». Donc on va incarner les protagonistes, la Belgique devient une femme, une femme qui, comme vous le voyez, la pauvre est mal en point là, avec une grosse brute assise dans son canapé avec un pistolet à la main qui lui dit « Aren't I a charming fellow ? Ne suis-je pas un homme charmant ?» Voilà. Donc là, vous incarnez les protagonistes. L'Allemagne, c'est un affreux bonhomme vulgaire, violent, et la Belgique, c'est une femme éplorée, très belle, mais aussi tout à fait en danger. Alors, je ne veux pas vous faire un discours qui prétendrait que cette propagande sur l'armée allemande était uniquement de la propagande, un mensonge éhonté. C'est pas vrai. L'armée allemande commet effectivement des exactions en Belgique. Il y a 850 exécutions de masse entre le 3 et le 8 août, donc on est quand même en 5 jours. Et des villes sont pillées, sont brûlées. On a notamment un dixième de la population de Dinan qui est massacrée le 23 août. Mais la plupart des victimes de l'armée allemande sont des hommes en état de combattre. Pourtant, dans tout ce qui est publié dans la presse britannique, on va très peu parler de ces hommes-là. Par contre, on va beaucoup parler de femmes. De femmes qui sont victimes de violences. Alors que, proportionnellement, elles le sont beaucoup moins. Et c'est ce qu'on appelle une série de « atrocity stories », c'est-à-dire des histoires d'atrocités. Donc là, vous en avez une lettre qui est envoyée au journal Times, a priori par un soldat, mais après on peut se poser des questions sur son authenticité. Et donc il dit « Nous avons trois filles avec nous dans la tranchée, qui sont venues à nous pour être protégées. Une d'entre elles n'a pas d'habit, une d'entre elles n'a pas d'habit, elle a été outragée, donc je pense qu'il veut dire violée par les Allemands. Je lui ai donné ma chemise. Une autre pauvre fille vient d'arriver, ses deux seins ont été coupés, lui ont été enlevés. Heureusement, j'ai vu l'officier Hulan, donc allemand, en train de commettre cet acte, et à 300 pieds, je l'ai tué avec mon coup de carabine. » Bon, donc la presse britannique commence à publier des histoires comme ça à gogo, et le gouvernement britannique se dit il faut s'emparer de tout ça et essayer d'y voir un peu plus clair, parce que les Allemands crient haut et fort que tout ça ce sont des mensonges. Donc les Britanniques disent nous allons faire une enquête, comme ils font toujours. Les Britanniques font beaucoup des enquêtes. Donc ils font des enquêtes parlementaires et ils vont confier cette enquête à un homme qui a une réputation d'être un juriste et un historien de grand talent. Cet homme, c'est James Bryce. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, avec une barbe pareille, on ne peut que lui faire confiance. Donc ce bon Bryce, qui, je répète, a une grande réputation, c'est toujours ce qu'on fait dans ces cas-là, on confie ça à quelqu'un qui a la réputation d'être un homme sérieux. Bryce va mener cette enquête, il va publier un rapport de 30 pages et de 300 pages d'annexes qui vont étayer les choses racontées, et le ton du rapport va être très très neutre, c'est-à-dire factuel. Tel jour, telle heure, on a vu ça. Une femme qui a été violée, ici, un enfant tué, ici. Et ce que... il y a une historienne qui a travaillé sur ces questions, elle a étudié ce rapport, et elle dit ce qui est marquant dans ce rapport, c'est à quel point l'emphase est mise sur
les victimes féminines des Allemands, et notamment on n'arrête pas des histoires qui ne cessent de se répéter sur des amputations de seins, des viols de femmes enceintes, d'enfants qui, entre guillemets, donc je cite, tombent des bras de leur mère quand leurs mères sont en fuite devant l'avancée de l'armée allemande, etc. Bon, donc pour justifier la guerre, on incarne les combattants. L'Allemagne ici est incarné en homme brutal, en monstre. Et pourquoi un monstre ? Parce qu'il s'en prend aux plus faibles. Qui sont les plus faibles ? Les femmes. Alors, les Allemands ont aggravé leur cas très peu de temps après, puisqu'ils ont exécuté une Britannique, qui, donc Edith Cavell, qui était une infirmière en Belgique. Elle participait à un réseau qui permettait aux soldats alliés de quitter la Belgique pour rejoindre le Royaume-Uni, et elle se fait attraper par les Allemands, qui décident de l'accuser de trahison, de la déclarer coupable et de la condamner à mort par peloton d'exécution. Voilà. Et alors, quand je dis les Allemands aggravent leur cas, voici comment leur porte-parole justifie l'exécution. Il dit: c'est très triste que Madame Cavell ait dû être exécutée, mais bon, c'était nécessaire. Elle a été jugée de manière tout à fait correcte par l'instance militaire. Je suis bien d'accord avec vous, c'est terrible. C'est terrible qu'une femme soit exécutée. Par contre, un homme, ça, c'est pas grave. Mais une femme, c'est grave. C'est très, très grave qu'une femme ait été exécutée, mais bon, mettez-vous à notre place. En gros, c'est ça qu'il dit. Pour un État qui est en guerre, on ne peut pas laisser des crimes impunis, même quand c'est une femme qui les commet. Voilà. Bon, donc il donne un peu le bâton quand même pour se faire battre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Résultat de tout ça, la manière dont l'Allemagne traitait les femmes permet d'incarner l'idée d'une Allemagne barbare. Et donc, on a ce discours, en 1915, on a ce pamphlet qui est publié, qui dit: de l'assassinat de la femme de l'archiduc à Sarajevo à l'exécution d'une infirmière à Bruxelles, la Prusse et ses alliés ont concentré leur cruauté sur les femmes. D'accord ? Il faut insister sur la cruauté envers les femmes pour pouvoir incarner la brutalité de l'ennemi. Et donc, je vous ai dit au départ, l'idée c'est que les Allemands incarnent la force et puis le Royaume-Uni incarne le droit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que incarner la force comme le font les Allemands, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par des actions illégales. Qu'est-ce qu'une action illégale en temps de guerre ? C'est de tirer sur des civils innocents. Et qui y a-t-il de plus innocent que des femmes ? Voilà. Donc on a fait la preuve par les violences faites aux femmes. Autre chose qu'on incarne ici, c'est la différence entre l'Empire et la nation. Les Allemands croient en l'Empire et non pas aux nationalités. Les Britanniques se présentent comme les grands champions des nationalités, puisque les Serbes sont une nation opprimée, c'est ça le discours. Hein, les Belges sont une nation indépendante, écrasée par un empire, etc. Donc l'Empire contre les nations. Les nations sont incarnées par qui ? Par les femmes. Pas uniquement métaphoriquement, avec Marianne par exemple chez nous, mais aussi parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui peut-être, mais certainement à l'époque, la manière de parler du rôle des femmes dans la communauté nationale, c'est en tant que mère de la patrie. Elles reproduisent la nation. Donc s'attaquer aux femmes, c'est très explicitement s'attaquer aux nations. On incarne à nouveau le discours. C'est pas juste un discours un peu aérien sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est très précisément une manière d'incarner cette idée que les Allemands veulent mettre un terme aux nations. Et enfin, il y a une opposition entre le matériel et le spirituel. Les Allemands sont obsédés par des gains matériels. Ils veulent posséder des territoires, là où les Britanniques et leurs alliés, eux, ne veulent que l'élévation de l'humanité, par l'élévation spirituelle. Et là encore, dans un système binaire où on oppose masculin et féminin, et masculinité et féminité, on associe matériel à masculin et spirituel à féminin, et donc toute attaque sur les femmes est une attaque sur la part spirituelle de l'humanité. D'accord ? Donc on fait d'une pierre 45 coups, si vous voulez, en concentrant l'idée que c'est sur les femmes qu'ils exercent leur violence. On n'est pas juste en train de dénoncer une sorte de brutalité, on est en train d'incarner un argument abstrait sur la force et le droit. Voilà. Donc résultat concret,
Résultat concret, l'Allemagne est présentée comme une puissance dite masculine, là où le Royaume-Uni serait une puissance féminine. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous lire ça, parce que ça c'est quand même The Times, c'est-à-dire un des journaux les plus anti, enfin les plus misogynes du Royaume-Uni, qui explique doctement en 1915 que le cerveau masculin allemand travaille sans être affecté par le scepticisme féminin. Donc les femmes allemandes n'arrivent pas à remettre, apparemment à exprimer le doute. Donc, dit le Times, la pensée allemande est purement masculine. Elle n'est pas enrichie ni dirigée par la critique féminine. Résultat, c'est une pensée pédante. Il est possible que la folie des Allemands soit le résultat de l'écrasement des femmes allemandes et de l'absence de respect des hommes pour leur intelligence. Je répète que c'est à mourir de rire quand on sait la position du Times avant 14 sur le droit des votes des femmes notamment. Mais voyez que donc, l'Allemagne devient, dans le discours des Britanniques, une sorte de monstre barbare. C'était le dragon qu'on voyait tout à l'heure. Et évidemment, par contraste, si eux sont comme ça, ben nous, on est la vertu incarnée. Et notamment, les Britanniques, c'est le droit, c'est l'équilibre entre les sexes. Donc c'est comme ça qu'ils se présentent. Hein. Si les Allemands sont comme ça, c'est que les Britanniques ne le sont pas. Les Britanniques sont comment ? Ben la pensée critique des femmes arrive à visiblement influencer la pensée des hommes. Et alors, résultat, aussi bien les Britanniques que leurs alliés sont purs au combat. Et donc vous avez ce journaliste britannique qui parle des soldats russes et qui dit, ici en Russie, les idéaux qui, donc en gros il veut dire l'amour entre un homme et une femme, ces idéaux qui guident les passions humaines, dans un pays comme la Russie où on est du bon côté, en gros, les soldats russes, ils traitent les femmes de l'ennemi de manière absolument impeccable, parce que on est dans un pays où il y a un équilibre entre les sexes. Contrairement aux Allemands, où là les soldats allemands font n'importe quoi parce que eux, leurs femmes sont écrasées, ne peuvent pas leur dire qu'ils se comportent pas bien, etc. Voilà. Donc, pour conclure ce premier point, je voulais vous montrer que les idées permettant de justifier l'entrée en guerre sont incarnées à travers l'identification des protagonistes à des qualités masculines ou féminines et à des formes de féminité et de masculinité, d'accord ? Plus ou moins toxiques ou pas. Ce que je veux faire maintenant, c'est passer à un deuxième point pour vous montrer comment ces mêmes idées sur le genre vont être utilisées pour mobiliser la population. Donc on va commencer par la mobilisation des hommes. Est-ce que vous connaissez ce poster ? Oui, il vous parle. Vous en connaissez peut-être un autre qui est plus célèbre, qui est celui des Américains, Uncle Sam Wants You. Mais Uncle Sam Wants You, il est inspiré de celui-là, c'est l'original celui-là, parce que c'est celui de 14. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi il a été créé. Parce qu'il est créé tout de suite, en août 14, on a ce poster partout dans Londres. Et c'est un poster, comme vous le voyez, qui est un poster de recrutement. Et pourquoi on a besoin de recruter chez les Britanniques ? Parce que les Britanniques, ils ont un petit problème. Voilà, ils n'ont pas de service. Ils n'ont pas de service militaire. Donc ils ont un petit problème. Ils sont un peu petits. Là, c'est une revue américaine qui a publié ça en septembre 1914 et qui dit, bon, bah, si vous regardez les armées, donc ça, c'est les Russes, ça, c'est les Allemands. Là, vous avez les Français, puis vous voyez, les Britanniques, un petit problème. Alors, moi, les chiffres que j'ai sont un peu meilleurs pour les Britanniques. Là, il est sur 600 000, alors qu'on est plutôt à un peu moins d'un million. Mais les Français et les Allemands, c'est 4 millions ou 4 millions 5 chacun. Un rapport de 1 à 4, c'est un petit peu problématique quand même. Donc, les Britanniques n'ont pas de service militaire. Pourquoi n'ont-ils pas de service militaire ? Parce qu'on est dans une culture politique libérale qui considère que la conscription est une forme d'esclavage. On ne peut pas exiger d'un être humain qu'il meure pour son pays. Il doit le vouloir. Il faut qu'il le choisisse. Et tout l'argumentaire des Britanniques, c'est une armée de volontaires est supérieure à une armée de conscrits, puisque si on est volontaire, c'est qu'on a la conviction morale que c'est une bonne chose que son pays est dans le juste. Cette idée que la conscription c'est de l'esclavage est tellement forte au Royaume-Uni qu'en 1914, quand la guerre est déclenchée, le Premier ministre libéral refuse d'introduire
la conscription. Son problème, c'est qu'il lui faut des soldats quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met en place une campagne de recrutement. On dit « I want you ». Mais cette campagne de recrutement, vous comprenez bien, on serait dans une période de paix. Bon, il y a un type qui vous dit « I want you » sur les murs, on passe à côté, puis on se sent plus ou moins intéressé ou attrapé par le poster. En temps de guerre, c'est pas pareil. Les enjeux sont un petit peu plus élevés, et surtout, il n'y a pas que vous qui passez à côté du poster, il y a tous les autres, et tous les autres vous disent « Mais pourquoi tu ne réponds pas au poster ?» Et donc, le contexte de guerre va créer ce que la sociologue australienne Raewyn Connell appelle un ordre du genre, que je vais vous traduire par une hiérarchie des masculinités. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une hiérarchie des masculinités, il y a des manières d'être un homme qui sont plus ou moins valorisées selon les milieux sociaux, etc. D'accord ? Donc selon la masculinité que vous incarnez, vous êtes plus ou moins, c'est plus ou moins valorisé, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. En temps de guerre, la hiérarchie des masculinités, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas plein de pyramides de masculinité partout dans la société, il n'y en a plus qu'une. Et je trouve, moi, qu'elle est particulièrement bien décrite par ce poster. Poster de recrutement. Are you in this? Est-ce que vous allez être dans ce truc? La masculinité, vous le voyez bien, le poster le dit parfaitement, qui est la plus valorisée. Comment être un homme pendant la guerre? Eh bien, le mieux, c'est d'être là. C'est d'être en haut, à côté du Union Jack. C'est d'être un soldat. Mais pas n'importe quel soldat. Il faut être Tommy Atkins. Donc vous savez sûrement que les soldats britanniques, on les appelle les Tommies. Le Tommy Atkins, en fait, c'est un personnage qui n'existe pas. C'est un nom générique. C'est Tommy, c'est comme Bob. Enfin, c'est le nom du gars qui passe, quoi. Tommy Atkins, donc c'est un nom générique qui existe depuis le XVIIIe siècle, qui a été popularisé par l'auteur du livre de la jungle, Rudyard Kipling, dans un poème qu'il avait écrit à la gloire de Tommy, donc Tommy Atkins. Et alors Tommy Atkins, qu'est-ce qui le caractérise? Tommy Atkins, il est courageux, il est martial, il est séduisant, et il est patriote. Mais il est aussi joyeux, doux, galant et juste. Voilà. Voyons, hein. C'est mon porté craché. Donc, et voilà, ça donne ça. Tommy Atkins, voilà, c'est lui. C'est le mec sympa qui est gentil avec les enfants. Vous avez des articles de presse extraordinaires qui vous racontent, qui vous disent que le soldat britannique, il est vraiment bien parce que il essuie toujours la table, parce que vous savez, ils sont tous hébergés par des gens au tout début de la guerre. Ils sont hébergés chez des civils en France, un peu partout, et donc il y a des journalistes qui vous expliquent que le britannique, il est super parce qu'il essuie toujours la table avant de partir, il fait faire leurs devoirs aux enfants, il est formidable, il dit bonjour madame, au revoir madame, il lave ses habits, il plie son linge, il fait son lit, enfin voilà. Donc Tommy Atkins, donc le but, c'est d'être Tommy Atkins. Alors c'est un modèle positif, c'est une figure d'identification, et c'est le rôle qui est attendu des hommes qui sont en âge de se battre. Voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il est attendu ce rôle que tous les hommes en âge de se battre vont se porter volontaires. Seulement, si vous le faites pas, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Parce que on va vous accuser d'être lâche et donc de ne pas être un homme. Donc, si on veut pas être volontaire, il faut trouver une bonne raison. Il faut montrer patte blanche. Et donc, il va falloir montrer que j'ai beau être un homme et j'ai beau pas être un soldat, je suis quand même un homme pour autant. Et alors, comment on fait pour faire ça? Eh bien, il faut faire comme Tommy, il faut se mettre au service de la patrie. Alors, ce ne sera pas le même service, mais il faut au moins se mettre au service de la patrie. Alors, comment on fait? C'est lui-là. On se met au service de l'effort de guerre. Donc, les ouvriers, il en faut quand même pendant une guerre, vont se défendre de ne pas être de vrais hommes en expliquant. Vous avez tout un discours dans la presse qui dit « Non, mais là, ça va, eux, c'est bon, c'est pas des lâches ». C'est vraiment des vrais bons patriotes et des vrais hommes britanniques, parce qu'ils ont accepté eux aussi un sacrifice. Alors, c'est pas tout à fait du même ordre, c'est pas aussi bien, c'est pour ça qu'ils sont en bas de la pyramide, hein.
mais ils ont accepté le sacrifice de se déplacer, de quitter leur chez eux pour aller travailler ailleurs, là où il y a du besoin d'eux. Donc eux aussi font un sacrifice pour la patrie. Donc vous remarquerez, quand vous regardez ce monsieur là en bas, le dessin qui est fait, comme les soldats, il est musclé. Comme eux, il a l'air tout à fait déterminé. Et comme eux, il a un uniforme de travail. Ce n'est pas un uniforme militaire, hein, mais c'est un uniforme de travail. Par contre, vous remarquez peut-être aussi qu'il y a deux choses qui le distinguent. D'abord, il est tout en bas. Et aussi, il n'a pas de barbe. Il n'a pas de barbe. Et oui, ce n'est pas un vrai, si vous voulez. Et il faut aller au bout. Hein. Voilà. Il n'a pas de barbe. Il n'a pas de barbe. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce que Raywan Crownall appelle une masculinité dite complice, c'est-à-dire que les masculinités complices sont des masculinités qui sont porteurs des marques de la masculinité hégémonique, donc puissant, en uniforme, déterminé, mais c'est quand même moins valorisé parce qu'ils ne font pas exactement la tâche qu'il faudrait faire pour être au top de la société. Alors évidemment, il y a plein d'hommes pendant la guerre de 14 qui ne peuvent pas être soldats, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils ont un problème de santé. Et d'ailleurs, ces hommes-là ne sont pas représentés sur ce poster. Ils sont pas là, ils font pas partie, ils sortent de la hiérarchie, de la pyramide, et quelque part ils sont devenus invisibles. Et d'ailleurs, pour la société britannique de l'époque, ils le sont. Tout le monde s'en fiche de ces gens-là. Ils n'ont pas d'importance. Par contre, il y en a d'autres qui sont ni Tommy Atkins, ni son ami. Et pardon, on peut échapper à l'opprobre à condition d'être le plus proche possible de Tommy Atkins. Et si on n'est pas Tommy Atkins, et si on n'est pas un ouvrier, alors là, par contre, là, ça va chauffer. Là, on va avoir mal. Parce que là, le jeune homme en civil, comme vous voyez, là, il n'est pas tout à fait dans la pyramide, il est un peu à côté. Il a une tenue extrêmement élégante. Il a aussi un corps qui n'est pas très athlétique, pas très musclé. Et lui, comme je vous dis, il va passer un sale quart d'heure. Parce qu'on va remettre en cause sa masculinité, on va remettre en cause sa légitimité, et on va essayer de le forcer à devenir un soldat, en justement remettant en cause sa masculinité, et de trois manières. D'abord, cap ou pas cap. Le marqueur principal de la masculinité de Tommy Atkins, c'est son courage. Tommy Atkins a le courage de sacrifier sa vie pour sa patrie, ou de la mettre en danger, en tout cas pour sa patrie. Donc, on va remettre en cause, on va dire que ces hommes-là, qui ne font pas cette démarche, eux, ils ne sont pas courageux. Et comment on va faire pour montrer qu'ils ne sont pas courageux? Alors, il y a plein de manières de leur faire honte, mais la manière la plus spectaculaire et la plus terrifiante, c'est « the white feather movement », le mouvement de la plume blanche. Donc là, vous voyez un dessin qui ne reproduit pas une scène réelle, mais de telles scènes ont bien eu lieu. Une jeune femme est en train de planter, non pas un couteau, mais une plume blanche dans le veston de cet homme en civil. Alors, pourquoi elle fait ça? Parce que le 30 août 14, donc juste au tout début de la guerre, vous avez un admiral des armées qui appelle les femmes à faire honte aux hommes en public en leur distribuant des plumes blanches. L'espoir étant que, en donnant une plume blanche à ces hommes, ils vont être transformés en héros, comme un coup de baguette magique. Pourquoi est-ce que l'amiral Penrose Fitzgerald pense une chose pareille? Parce que il y a un roman qui avait été publié en 1902, qui avait eu un énorme succès, qui s'appelait Les Quatre Plumes, The Four Feathers. Et dans ce roman, il y a donc l'histoire du roman, c'est qu'un homme, un jeune homme qui est un officier, doit partir au Soudan. Il refuse de partir au Soudan. Sa fiancée dit « Ah ben, si tu refuses de partir au Soudan, je ne veux plus de toi parce que tu es un lâche. » Bon. Et donc, pour se racheter auprès de sa fiancée, elle lui donne une plume blanche. Il part au Soudan. Coup de chance, quand il y est, il y a un gros problème et c'est lui qui sauve la mise. Il sauve ses anciens camarades qu'il avait tous répudiés. Il rentre au pays, épouse la belle, et elle lui dit « Rends-moi ma plume blanche. » Et voilà. Et la plume blanche est devenue le symbole de sa transformation en héros. Donc l'idée, c'est on va refaire ça, mais pour de vrai, les amis, dans les rues de Londres, allez-y, donnez-leur des plumes blanches. Et donc, c'est ce qu'elles ont fait.
Et j'ai deux témoignages ici d'hommes qui témoignent. Donc là, vous en avez un qui dit « Je suis allé écouter une femme qui faisait un recruitment speech, donc elle était là pour haranguer la foule en disant « Allez les mecs, il faut y aller, allez vous faire tuer ». Et à la fin de son speech, cette femme descend de la plateforme et vient le voir lui précisément et lui donne une plume blanche et il dit « Eh ben, je suis allé m'enrôler aussi sec et puis je suis revenu la semaine d'après, quand elle faisait le même discours, elle m'a vu, elle est venue jusqu'à moi, elle m'a demandé de rendre sa plume et elle m'a fait un gros bisou sur la joue. » Je ne sais pas si le jeu en valait la chandelle, mais voilà. Et après, ce deuxième exemple qui est très poignant, je trouve, quelqu'un qui dit « C'est une des seules fois de ma vie où j'ai vu mon père pleurer. Ce n'était pas un lâche, mais il avait beaucoup hésité à partir à la guerre parce qu'il avait une famille avec ma maman, ma sœur qui avait 3 ans et moi. Mais juste après qu'on lui ait donné cette plume, il est allé s'enrôler dans les troupes, dans l'armée. » Donc vous voyez que ça a beaucoup d'impact. Enfin, on comprend pourquoi. Vous êtes quand même humilié en public devant tout le monde. C'est quand même très dur. Donc, je note très rapidement qu'il y a quand même eu pas mal de cas de femmes qui ont donné des plumes blanches à des hommes qui étaient en civil, mais qui en fait étaient en permission. Donc vous imaginez comme ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de cas où justement, quand il y a eu des méprises comme ça, ces femmes-là ont été, elles, frappées. C'est-à-dire que les gens considéraient que comme elles avaient transgressé en se trompant de cible, elles étaient elles-mêmes des cibles valables. Les gens avaient tellement peur quand même de ça qu'à un moment, un mouvement a été lancé pour qu'on donne des brassards kaki à tous les hommes qui n'avaient pas pu s'enrôler pour des raisons de médicales, pour pas qu'ils aient à se justifier en public quand ils étaient insultés comme ça. Voilà. Donc, refuser de se montrer courageux, c'est refuser de se comporter en homme. C'est ça l'idée. Et il y a un prix à payer qui est donc cette insulte, mais il y a un autre prix à payer qui est un prix sexuel. Donc là, il était grand, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Je n'ai pas résisté. Puisque là aussi, vous avez la même chose. Donc là, vous avez... Alors, c'est encore un mouvement féminin. Donc là, c'est une femme, la baronesse Orzy, qui crée une ligue qui s'appelle The Active Service League, où elle fait prêter serment à 20 000 jeunes femmes qui prêtent le serment de ne jamais être vues en public avec un homme qui pourrait servir, mais ne le fait pas. Bon, parce que, évidemment, le guerrier, sa récompense, c'est la chair fraîche. Et il y avait même une chanson que je ne vais pas vous chanter parce que il pourrait neiger et c'est pas ce qu'on veut là, on veut pouvoir rentrer chez nous. Mais c'est cette idée, donc toute cette chanson, c'est Now your country calls you to play your part in war. Donc le pays vous appelle. En gros, le titre de la chanson, c'est on veut pas vous perdre, on veut pas te perdre, mais on pense vraiment que tu devrais y aller quand même. Il faut quand même que tu y ailles. On veut pas te perdre, mais bon. Allez. Et puis quand tu reviendras, on te fera plein de bisous, ce sera super. C'est ça la chanson. Là aussi, je ne sais pas si j'en valais la chandelle. Alors, je ne sais pas, là j'ai pas de témoignages ou travaux historiques qui montrent qu'il y ait des hommes qui aient été motivés par les bisous promis. Par contre, on a des preuves historiques que ces hommes dont on a remetté en cause le courage et le sex appeal, ceux qui résistaient encore, une fois ce double barrage passé, eh bien, évidemment, ils tombaient dans la pire insulte possible. C'était des femmelettes. C'est-à-dire que là, maintenant, on t'a dit qu'il fallait être courageux, t'as pas voulu être courageux, on t'a dit que t'étais pas séduisant, tu t'en fous, bon, bah d'accord. Donc, en fait, t'es pas un homme, du tout. Donc là, vous avez une femme qui tient, c'est à Londres, qui tient une pancarte où il y a écrit... Oui, sers ton pays, ou porte ça. Porte ça, porte quoi? En fait, ce qu'elle tient là, c'est une nuisette. Porte une nuisette. Voilà. Donc, une campagne extrêmement constante et puissante qui pousse les hommes à être volontaire, puisque l'armée britannique, comme je vous ai dit, est quand même un peu à poil et ils ont besoin de monde. Donc ils font une pression constante comme ça.
Et malgré ces pressions-là, le gouvernement avait peur de ne pas avoir assez de recrues. Ce qui fait qu'en 1916, ils ont fini par craquer et introduire le service obligatoire. Et là, on passe donc à la dernière résistance, qui est celle des objecteurs de conscience. Il fallait être sacrément courageux. Ils n'ont été que 16 000 et leur position était légale. Et c'était dans le droit britannique, on a le droit de dire ben non, je refuse, ma conscience m'interdit de faire la guerre. Mais c'est pas parce que c'est légal que c'est socialement accepté. Et donc ils ont payé très lourdement le prix de leur conviction, à la fois en attaque physique, mais aussi bien sûr en attaque symbolique, notamment sur, évidemment, leur masculinité. Donc là, j'ai juste une citation, mais que je ne vais pas lire parce que le temps tourne, qui est la citation du président de l'association des objecteurs de conscience, qui dit, bah, écoutez, moi, je suis chrétien, on m'a dit, tu ne tueras point, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Je ne tuerai personne au nom de rien, enfin, je ne tuerai au nom d'aucun principe. Voilà, donc là, juste pour vous montrer un peu deux caricatures d'objecteurs de conscience, et vous voyez qu'ils sont représentés comme étant très très peu masculins, hein, physiquement, mais aussi ils sont féminisés par les positions qu'on leur fait tenir, par les choses, enfin les objets qu'ils ont dans les mains, qui sont des objets associés au féminin, etc. Donc, voilà. Un homme qui n'est pas un homme est forcément une femme. C'est ça le raisonnement, hein ? Et donc la chute de masculinité, c'est on tombe dans la féminité, dans cette logique-là. Donc pour les hommes en guerre, c'est pas compliqué. La question, c'est être ou ne pas être soldat. Hein ? Et si on n'est pas soldat, on a intérêt à avoir une bonne raison, sinon on va être l'objet de critiques virulentes. C'est très très dur d'être un homme en âge de se combattre pendant un temps de guerre. Pour les femmes, c'est beaucoup moins clair. Dans un premier temps, personne ne savait ce qu'il fallait faire des femmes. Donc, mobiliser les femmes. Et je vois que là, je suis en retard. Alors ce poster-là, il est arrivé bien après. Je vous ai dit, le poster de Kitchener, là, « I want you for the army », ça c'est août 14, tout de suite, on en a placardé partout. Ça par contre, c'est 1915, 1916, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, les femmes, ça sert à rien. On ne sait pas à quoi ça sert. Vous voyez ce poster-là, « Step into your place », c'est que des hommes qui sont en civil et qui deviennent des soldats. Ça, on sait quoi en faire, les hommes, c'est pas compliqué, ça devient des soldats. Les femmes, enfin, on sait pas. Donc, au tout début de la guerre, il y a vraiment tout le monde a l'impression que cette idéologie de genre qui dit l'homme sujet actif, femme sujet passif en temps de guerre, joue à plein. Les hommes, on se concentre sur eux, les femmes, on oublie. Donc là, vous avez une citation d'une féministe très connue qui dit « À l'époque, en 14, on avait l'impression que les antiféministes avaient raison. Que ce qu'ils nous avaient toujours dit, c'est-à-dire que quand il y aura une crise, on n'aura pas besoin des femmes. » Qu'on n'aura que besoin des hommes, et vous, les femmes, vous resterez à la maison et vous pleurerez en attendant qu'on revienne. On avait l'impression que c'était vrai, parce que les personnes n'en appelaient aux femmes, les autorités n'en appelaient pas aux femmes, la société n'en parlait pas. Enfin, et sans doute en serions-nous restés là si la guerre totale n'avait pas fait peser des contraintes telles sur les sociétés qu'il fallait mobiliser les femmes. On en avait besoin. Et donc, c'est ce qui va se passer, sauf que ça va se passer à l'intérieur de ce système de genre où masculin l'emporte sur féminin, donc les femmes vont être mobilisées, mais jamais, jamais, au point de concurrencer la place du sujet actif masculin. Donc, quand on mobilise les femmes, c'est pas pour qu'elles servent la patrie, c'est pour qu'elles aident les hommes. Alors, comment les femmes peuvent-elles aider en temps de guerre ? Bah, d'abord, elles peuvent aider à la maison. Dans la sphère qui est traditionnellement associée aux femmes. Donc les femmes, ça peut aider à la maison. Donc vous voyez le poster « The kitchen is the key to victory ». Si c'était que ça, ça serait bien. Si toutes nos guerres étaient des concours de cuisine, ça serait plus sympathique. Donc pourquoi ? Évidemment parce qu'il faut faire des économies. Donc on va dire aux femmes, là vous avez une citation d'un livre de cuisine qui s'appelle « Win the War Cookery Book »,« Gagner la guerre ». Le livre de cuisine, Gagnons la guerre. Et donc, qui dit,
la guerre passe dans votre cuisine. C'est là, ça commence là. Le front débute dans votre casserole. Et vous avez le témoignage aussi de Vera Brittain, qui est une Britannique très, une pacifiste très célèbre, qui a écrit dans son journal en août 14. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire ce qu'apparemment la seule chose que les femmes peuvent faire en temps de guerre, j'ai commencé à faire des chaussettes pour les soldats. Voilà. Donc ça commence là. On militarise la sphère domestique. Sauf que rapidement, l'État se rend compte qu'il a besoin des femmes pour autre chose. Il va demander aux femmes de recruter les soldats. Donc je vous ai déjà montré des exemples de femmes qui font honte, enfin qui essayent de faire honte aux soldats, aux hommes pour qu'ils deviennent des soldats. Là, c'est beaucoup plus sympathique, en quelque sorte. Là, c'est l'État qui demande aux femmes de l'aider à recruter des hommes. Comment ? En insistant justement sur leur rôle de sujet passif, qui a besoin d'être protégé, mais qui est là pour aider. Donc ce célèbre poster... « Women of Britain say go », c'est une maman avec ses enfants qui s'accroche à elle, qui regarde partir l'homme au loin dans le soleil couchant, mais on la voit droite et déterminée. Elle n'a pas peur, elle n'est pas inquiète, c'est elle qui va tenir la baraque. Et c'est tout à fait cette idée-là. Vous avez aussi ce poster « The Hun and the Home » qui dit aux femmes du Royaume-Uni « Regardez, chez nous, on a des belles maisons, tout va bien, nos enfants sont en sécurité. Regardez ce qui se passe en Belgique, c'est affreux, les femmes sont violées, les enfants sont morts, les maisons sont détruites. Donc, soutenez vos hommes. Vous, les femmes, soutenez vos hommes. » Donc, l'État demande aux femmes, mobilise les femmes autour d'identités féminines traditionnelles, toutes définies par leur rapport aux hommes, donc des mères, des épouses, des amoureuses, des amantes. Donc là, je pense que l'État britannique s'en serait bien tenu à ça s'il avait pu. Seulement le problème, c'est qu'il ne pouvait pas. La guerre était trop lourde, trop longue, il y avait trop de pression, il fallait toujours plus d'hommes. Et donc, on va pousser le bouchon un peu plus loin et on va faire, rentrer les femmes à l'usine de manière massive. Donc, je vois que j'ai parlé 45 minutes. Il me reste facilement 10 à 15 minutes. Est-ce que vous avez le courage de m'écouter encore? Oui. Alors, je vous remercie pour votre patience. Les femmes, on va les mobiliser pour aller à l'usine. Donc, vous voyez que sur mon super poster de la hiérarchie, là, que je trouve vraiment très, très bien pour ça, on a une femme. On a une femme qui travaille. On en a une autre dont je vous parlerai dans un instant. Alors, les femmes qui travaillent, là encore, quand on fait l'histoire de 14-18 à l'école, le raccourci, c'est « Ouais, la guerre, c'est super pour les femmes parce que ça leur permet de travailler. » Ce qui est une vaste blague, les femmes ont toujours travaillé, la guerre de 14 ne fait pas travailler les femmes. Par contre, la guerre de 14, c'est le moment où les femmes vont tout d'un coup intégrer de manière massive des métiers qui jusque-là étaient uniquement masculins. C'est ça qui fait la différence. Mais il y a une énorme résistance au début de la guerre. Les employeurs n'en veulent pas. Ils disent « on veut surtout pas des femmes, ça travaille moins bien que les hommes ». On en revient à ce que Dominique nous disait tout à l'heure. Et puis les syndicats n'en veulent pas. Ils disent « on veut pas de femmes, elles vont faire baisser les salaires ». Donc surtout pas. Donc les employeurs et les syndicats n'en veulent pas du travail des femmes. Bon. Mais le gouvernement leur force la main. En introduisant des lois en 1915 et 1916 qui rendent possible l'embauche de femmes dans ces métiers et qui surtout forcent les hommes qui y travaillent à quitter leur poste pour aller au front parce qu'on a besoin d'eux. Mais ces lois ne disent pas « bon ben voilà, les femmes remplacent les hommes ad vitam aeternam ». Elles disent « for the duration », pour la durée de la guerre, pour la durée de la guerre. Il est bien entendu que si les femmes font ça, c'est parce qu'elles sont là pour nous aider. On est toujours dans ce paradigme de l'aide. Parce que ce qui se joue, c'est l'idée de la féminité. Une femme, ça ne travaille pas en usine. C'est un boulot d'homme. Et les femmes, ce n'est pas visible dans l'espace public. Or là, tout d'un coup, tous ces postes s'ouvrent, et alors là, c'est la fête. Les journaux n'en peuvent plus, ils font des photos à gogo, regardez ces trucs bizarres qui se passent, il y a des femmes partout. Ah, ils sont tout contents, alors regardez. Alors, c'est, dans un premier temps, évidemment, comme il faut faire passer la pilule, tout le monde trouve ça très bien. Donc vous avez des gros titres, regardez ces femmes incroyables, les femmes du Royaume-Uni sont extraordinaires, elles font des choses super, regardez, elles sont même capables de porter du lait.
mais la porter au porte-à-porte, faire la postière, elles peuvent conduire des métros, enfin ils n'en peuvent plus. Ils sont ravis. Ça ne va pas durer, hein, mais dans un premier temps, tout le monde est très content. Et puis, il y a une catégorie de femmes en particulier qui va recevoir tous les éloges, ce sont les munitionnettes. Les munitionnettes, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les industries de munitions, qu'on va appeler Tommy's sister, la sœur de Tommy. Ouais, pas mal. Tommy, c'est le top, hein. Donc si on est la sœur de Tommy, c'est bien. On est bien placé dans la hiérarchie. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui donc, a priori, peut être munitionnette, elle est placée plus haut que l'homme dans la hiérarchie, que l'homme qui travaille. Parce que c'est mieux. Parce que lui, à la limite, bon, c'est normal, mais elle, c'est anormal. Elle va au-delà de ce qu'elle est censée être capable de faire. Donc, n'oublions pas, évidemment, que ces femmes-là, sur lesquelles qu'on applaudissait en disant c'est super, c'est quand même les femmes qui ont le plus morflé. Hein. On est sur des femmes qui sont... C'est des usines extrêmement dangereuses. Un très grand nombre d'entre elles sont mortes dans des explosions, etc. Et puis vous aviez les filles qu'on appelait les Canary Girls. Les filles canaries, pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes jaunes, parce qu'elles travaillaient avec la dynamite. Et ça les empoisonnait, et elles en perdaient les dents, enfin, elles en mouraient souvent, etc. Donc, la guerre permet d'étendre le registre d'application de la féminité. On peut être une femme en dehors des sphères qui étaient réservées jusque-là. Et ça va même jusqu'au front. On a même le droit d'être une femme au front. Mais bon, faut pas rigoler non plus, pas n'importe quelle femme. Donc évidemment, une femme au front, ça peut être une soignante. On a le droit d'être une soignante. C'est cette femme qu'on voit là. Elle est, vous le voyez, à mi-chemin entre l'arrière et le front. Elle est mieux que le travailleur et la travailleuse, parce qu'elle est au front quand même. Mais un peu moins bien que le soldat, parce que lui, c'est quand même le plus important. Et alors, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'il y a même des femmes dans l'armée. Mais attention, ce n'est pas des soldates. C'est des femmes qui ont été embauchées, là encore, pour libérer des hommes pour le front. Donc là, vous avez une affiche pour The Women's Royal Air Force Service. Donc il s'agissait d'être embauchées par l'aviation. Et évidemment, c'était toutes les fonctions. Il y a beaucoup de fonctions dans une armée qui ne sont pas des fonctions combattantes. Donc toutes les fonctions de logistique, de conduire des camions à droite à gauche, etc. Ce sont des femmes qui les ont remplies sur la fin de la guerre. On est sur la période 17-18. Vous avez pas mal de femmes recrutées comme ça. Mais ce que l'armée britannique n'a jamais fait, c'est évidemment de recruter des femmes soldats. Pourtant, il y a des femmes qui voulaient être soldats. Mrs. Alec Tweedy, give women a chance of the trenches. I am ready to form a women's battalion. Un bataillon des femmes. Le moment, dès qu'on en aura besoin, les femmes ont fait des choses bien plus difficiles pour leur pays que de porter une mitraillette ou enfin un fusil, et nous sommes des milliers à vouloir nous battre nous aussi. Mais il y a des femmes qui ont essayé, hein, d'intégrer l'armée en se faisant passer pour des hommes, mais elles ont été toutes ramenées à la maison. On n'a qu'un seul exemple connu d'une femme britannique soldat, c'est cette femme-là, Flora Sandes, qui était en Serbie et qui a été recrutée par l'armée serbe. Elle s'est retrouvée à la tête d'un peloton, etc. Mais bon, je vous passe le détail. Alors, pourquoi est-ce que les Britanniques n'ont pas voulu enrôler de femmes dans l'armée? L'explication, à mon avis, est simple. Ils ne voulaient pas que les femmes prennent la place des hommes au front. Parce que si les femmes prennent la place des hommes au front, ou rejoignent les hommes au front, ça fait s'effondrer tout le système. Tout le système est basé sur l'idée que les hommes sont au front, les femmes ne le sont pas. Donc on peut faire plein d'aménagements avec le système. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont poussé jusqu'à la limite. Les femmes se retrouvent dans l'armée, mais jamais, jamais comme soldats. Parce que les femmes doivent rester des femmes. Et c'est là que j'en viens au tout mon troisième point. Cette idée que le genre va nous aider à faire sens de tout ce qui se passe, de toutes les transformations sociales. La guerre, elle provoque plein de transformations, je vous en ai parlé, les femmes se retrouvent très visibles dans l'espace public. Les journaux, dans un premier temps, disent bravo, mais assez vite, le vent tourne. Parce que tous ces changements sociaux, c'est anxiogène. La société est transformée et bouleversée de fond en comble. Il faut faire sens de ces bouleversements. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, évidemment, comme toujours, on va dire que les femmes sont symptomatiques d'un dérèglement et qu'il faut absolument qu'elles reviennent au statu quo ante.
Donc on va dire que toutes ces femmes qui travaillent, c'est pas bien, parce qu'elles deviennent indépendantes, et qu'en devenant indépendantes, elles voudront plus avoir d'enfants. Donc vous avez ce monsieur Thompson qui dit « L'Empire britannique ne va pas être... qui est menacé par les Allemands et que nos hommes sont en train de se battre galamment pour empêcher ce déclin de l'Empire, eh ben, ce déclin sera provoqué par les femmes qui sont égoïstes et lâches parce qu'elles refusent d'être des mamans, parce qu'elles sont devenues indépendantes. » Ou alors, on va dire, c'est un scandale, toutes ces femmes qui travaillent, c'est pas bien, parce que leur corps va en être affecté, et donc elles pourront plus être des mamans. Voilà. Donc voilà, je préviens, donc un docteur évidemment, je préviens toutes les femmes qui sont en train de faire des métiers d'hommes. At the end of the day, after all is said and done, au bout du bout, votre rôle, votre fonction dans la vie, c'est de perpétuer l'espèce humaine. Donc arrêtez. Et enfin, évidemment, cette société qui est toute bouleversée, une des premières choses qui est bouleversée dans un moment comme ça, c'est les idées morales, et notamment autour de la sexualité. Donc, symptomatique de la catastrophe, les femmes ne sont plus modestes dans leurs attitudes sexuelles, dit-on, évidemment. On les accuse de tous les maux, et donc on va les accuser de se comporter de manière peu catholique, on va dire, enfin là, peu protestant, parce qu'on est au Royaume-Uni, en tout cas, pas bien, de manière immorale, en ayant une activité sexuelle débordante, surtout au front. Évidemment, tout ça, ce sont des fantasmes. Hein. Je suis sûr qu'il y avait des femmes qui avaient une activité sexuelle très débordante au front, mais je doute que ça a été plus que la moyenne, où tout d'un coup, il y aurait eu énormément d'activités sexuelles illicites ou débordantes à ce moment-là. Donc, la guerre délimite très clairement les féminités, comme vous avez vu. Il y en a une qui est bonne, il y en a l'autre qui est mauvaise, ou il y en a qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Les bonnes, c'est celles qui aident les hommes. Les mauvaises, c'est celles qui les sapent. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que... pardon, j'ai un truc que je voulais rajouter. Quand on dit, on accuse les femmes de se comporter mal, ce qu'on met sur leur dos... c'est la possibilité de la défaite, en disant « on va perdre ». Pourquoi on va perdre ? Parce que vous, vous vous comportez mal. Pourquoi on va perdre ? Parce que vous vous comportez mal ? Parce que votre mauvais comportement à vous affecte les hommes qui sont maintenant démoralisés. Puisque eux, ils se battent pour vous. Donc si vous vous comportez mal, bah, ils n'ont plus de raison de se battre. Ben oui. C'est toujours de la faute des femmes, c'est ça qu'il faut comprendre, de toute façon c'est pas compliqué, hein. C'est toujours de leur faute. Hein. Souvenez-vous, 1945-44, libération de la France, qui est-ce qui paye ? Les femmes. On tond les femmes sur la place publique parce que c'est de leur faute, évidemment. Voilà. Donc, voilà, si les hommes échouent, ce sera de la faute des femmes, puisqu'elles sont censées aider et qu'elles n'aident pas. Voilà. Donc, j'ai déjà trop parlé. Ma conclusion, c'était « et la paix dans tout ça ». Parce que j'étais censé parler de la paix aussi. Et donc, je terminerai sur cette image que vous connaissez peut-être. Vous le savez sans doute, en 1915, à La Haye, il y a un congrès international des femmes pour la paix. C'est ce congrès qui m'a donné envie de travailler ces questions. Parce que moi, la guerre de 14-18, je l'ai étudiée tous les deux ans à l'école en France. Tous les deux ans, on faisait la guerre de 14. En troisième, enfin, je sais plus, troisième, cinquième, etc. Et je croyais tout savoir de la guerre de 14. Et après, j'apprends qu'en 1915, il y avait un congrès international des femmes avec des femmes qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Autriche, peut-être pas d'Autriche-Hongrie, qui venaient des États-Unis, qui venaient des pays de France, qui venaient d'Allemagne, qui se sont retrouvés en pleine guerre pour dire non, mais en fait, on va se réunir, puis en deux jours, on va essayer de faire un plan pour la paix. Et en deux jours, elles ont fait un plan pour la paix, et après, elles ont apporté leur plan à tous les gouvernements. Elles ont même été reçues par tous les gouvernements. Au point que certaines de leurs recommandations se sont retrouvées dans les 14 points de Wilson. Donc c'est quand même... Enfin, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que j'en ai jamais entendu parler. Par contre, la conférence de Zimmerwald, ça oui. Parce qu'il y avait Lénine. Et Lénine, il est important.
Mais la conférence des femmes, elle n'est pas moins importante, cette conférence pacifiste. Elle est très importante au contraire, et on n'en parle pas. Ça, ça m'a choqué. Et alors, ce qui m'a passionné avec ces femmes-là, c'est que elles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles disent, non mais oui, vous avez raison, les hommes sont les porteurs de la culture de guerre, mais nous, nous sommes les mères de la race. Bon, c'est un langage un peu dépassé. Nous sommes les mères de la race et nous, nous voulons la paix. Nous sommes les porteuses de la culture de paix. Alors, ça a plein de problèmes, cet argument-là, extrêmement essentialiste. Il présuppose que parce qu'on est une maman, on est forcément pacifique. Bon. Mais il avait... Les gens qui critiquent ce point de vue en disant « Oui, c'est affreux, c'est essentialiste. » Mais enfin, en 1915... Vous voulez dire quoi d'autre qui soit audible à un public qui est abreuvé d'un discours qui vous explique que les hommes, c'est des battants et les femmes, elles sont protégées, et leurs enfants sont protégés par ces hommes. C'est le seul discours audible. Et il est à tel point que les gouvernements en ont peur et empêchent les femmes d'aller à ce colloque, à ce congrès. Il y avait des centaines de Britanniques qui voulaient venir, il n'y en avait que quatre à la fin parce que c'est celles qui étaient parties avant que le gouvernement dise « Ah mais non, finalement, on ne va pas vous laisser partir ». Donc, c'est pas facile d'utiliser l'idéologie de genre de la culture de guerre contre elle-même, parce que c'est ce qu'elles ont essayé de faire, puis elles ont échoué. Hein. Finalement, ça n'a pas marché. Malheureusement, la guerre a continué. N'empêche que ça m'a donné énormément d'espoir de découvrir ça, de me dire la guerre, c'est une machine qui a besoin d'un discours inégalitaire et hiérarchisé sur les hommes et les femmes. Mais même ce discours-là peut être utilisé contre lui-même. Et ça, au moins, ça nous donne un peu d'espoir. Voilà, je vous remercie.